à partir du verset 20, on est en train de parler de la, de plutôt du millénium. Mais dans Jean, la Bible, Jésus dit ceci, que non, je vais vous préparer une place. Amen, amen. Amen. Donc, dans la nouvelle Jérusalem, nous n'allons pas construire. Non. Ok, 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 ok. Parce que cette cité, Jean avait vu la nouvelle descendre, la nouvelle Jérusalem descendre. Elle est déjà bâtie. C'est pour cela que la Bible dit que ses rues, ce sont ses pavés en or. Amen. C'est déjà construite. Amen. Voilà le demain que Jésus-Christ est allé préparer. Amen. Là-bas, nous n'allons pas construire. Parce que Jésus lui-même est le sage architecte. D'accord, 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 d'accord. Lorsque cette ville va descendre, elle est déjà finie, prête à habiter. Amen. Mais le millénium, lorsque nous allons. Mais ici, il ne s'agit pas des temples de Jérusalem qui étaient dédiés par Salomon. Est-ce que c'est le temple qui a été reconstruit par Zorobabel? Amen, amen. Non. Parce que dans ce temple-là, dans le temple qui a été reconstruit par Zorobabel, il n'y avait pas, de l'onction, ni la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que le premier temple, Dieu s'est manifesté. Alors, amen. Alors, Dieu ne pouvait pas se manifester deux fois. Parce que pour Dieu, c'est le même temple. Mais il a dit que la gloire de la deuxième maison sera plus grande que celle de la première. Amen. Amen, amen. C'est pour cela, Jésus, comme Adam, Jésus est plus glorieux que le premier Adam. Amen. La gloire de la deuxième maison. La première maison, Adam, ne pouvait pas être plus grand que Jésus. C'est pour ça que le premier temple ne pouvait pas être plus grand. Et si vous remarquez, alors, c'est alors, après avoir purifié la terre, c'est alors que Jésus va tenir son épouse, la main dans la main, pour lui faire visiter sa maison. Amen. Amen, amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.